Purée, je suis beau. Le programme de ouf que je te propose aujourd'hui, gros, t'imagines même pas. Si, si, j'imagine très bien. Si c'est un concert comme l'autre fois, pas très peu pour moi. Oh, 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 doucement, hein. Laurie, c'est de l'art total. Weekend, na, 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 weekend, na. Ouais, pour les enfants. Smokey, ça, c'est de la musique. C'est de la musique de bougeux. Moi, je te propose d'aller à la projection brunch de la classe américaine. Ah. J'adore ce film, mais pas question qu'on me détourne. Trop la honte. Par contre, c'est vegan, gros. Oh non, tu vas pas me faire ça. Bah quoi ? Le tofu, c'est vraiment dégueulasse. Mais là, c'est mort. On va nulle part. Ni voir Laurie, ni au brunch vegan. Sauf si tu la répares. Alors, je la répare et on va au brunch, t'as compris ? Bon ben, j'ai trouvé la panne. Par contre, ça coûte bonbon. Alors, une page de pub. Coiffabator 2000. Design ergonomique. 3 vitesses de rotation. Et 2 turbos pour réussir ses meringues à tous les coups. Aquafabator, la cuisine sans casser des œufs. Comme ça réparé, on va réserver. Oh, 15 balles! Mais c'est du fait maison. Ça va alors. Moi non plus, j'ai pas chômé. J'ai trouvé plein de blagues vegan. Écoute vite. Quand deux vegans se marient, le traiteur, c'est qui ? Ouais, c'est Jean Dylan. Et quand un vegan, il tombe, il se viande. Et tu sais quel fruit est le plus vegan ? La pastèque. Et plus la pomme de terre, t'es con. Combre. Doucement, hein. Laurie, c'est de l'art total. Weekend.